Bonjour, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo découverte sur ma chaîne où on va parler de Sea of Craft. Donc voilà, on va démarrer. On est bien Draco Lobotom, on se log sur les serveurs. Alors ça va être un jeu où on va devoir construire nos vaisseaux, construire, oui on va dire vaisseau, on va pas dire bateau, pour pouvoir avancer, réaliser des puzzle games si j'ai bien compris. On verra ce que le jeu nous réserve. On a déjà une petite animation ainsi en début de partie qui est pas mal. Je ne sais pas si on peut la passer. Capitaine, capitaine. Réveillez-vous, il y a urgence. On a découvert un vaisseau 1200 mètres. Et voilà, on est sur notre petite embarcation ici. On a un tuto. Je pense qu'on est en anglais. Voilà, on est en anglais. Ok, on est parti. Faut trouver des matériaux. Alors, il y a une inertie, mais énorme. Vous allez me dire, c'est un bateau, et c'est pas mal. Hop, on appuie sur O pour le récupérer. On l'a eu. Regardez le demi-tour que je viens de faire. Et les musiques sont juste magnifiques. Je vais même les diminuer un petit peu. Je prie de m'excuser à ce niveau-là, mais... Sinon, vous n'allez plus m'entendre. Les musiques sont juste magnifiques, hein. Je sais pas ce que le jeu va valoir, mais en tout cas, niveau musique, c'est sympa, c'est chouette. Voilà, et là, on va pouvoir faire son vaisseau. Place le canon là. On finit l'assemblage. Voilà, il y en a notre. Ok, et on peut tirer comme ça. Maniabilité, c'est compliqué, hein. Alors, les ennemis approchent. Ouais, quand je vous parlais de vaisseau et non pas forcément de bateau, vous avez vu le truc qu'il y avait derrière, je ne sais pas ce que c'était. Voilà, hop, regardez. C'est vraiment particulier. À détruire là-bas.
Compliqué de viser. Au moins touché une fois. Voilà, il y en a un de moins. Heureusement, il ne bouge pas. Hein. Alors, il y a un temps de recharge, comme vous le voyez. Ok, on les a eus. Alors, graphiquement, c'est beau. C'est compliqué de piloter. Parce qu'en gros, je sais pas aller en ligne droite. Hein. En tout cas, j'arrive pas, moi, à conduire pour y aller en ligne droite. On se fait tout en drift, c'est pas mal, hein. Et voilà encore un autre vaisseau, la sardine, vous voyez qui rentre dans l'adversaire, hein. Ok, il se charge du périmètre de sécurité. Et voilà, il en a terminé le tutoriel. Ce fut très court. Me dites pas que c'est que ça, le jeu. Le tutoriel, on a fait. Est-ce qu'on peut être en mode créatif? On va essayer, on va voir le mode un petit peu créatif, ce qui nous réserve, et voir la construction. Voilà, on va pouvoir construire notre propre vaisseau avec les différentes pièces et ça va nous permettre de voir un petit peu les pièces qui sont disponibles. Vous voyez qu'il y en a quand même énormément. Il y a moyen de faire des choses, mais formidables à ce niveau-là. Des pistons, des splitters, des... Ah ouais, il y a moyen de faire de ces choses. On va essayer de se faire un petit vaisseau quand même, hein, qu'on va tester ensuite. Faudrait que je trouve. Ah voilà, là je vois comment le tourner. Ça m'a l'air plus ou moins équilibré comme ça. Enfin, il y a moyen de faire plein de choses. On va regarder au niveau de la motorisation ce qu'on pourrait lui donner.
le mouvement, bah oui, ceci. Est-ce que ça va suffire pour le faire se déplacer? Non, il doit me manquer quelque chose. Faudrait vraiment étudier le... Ah non, il y a franchement des trucs à faire. Et on va voir plus de l'autre côté un petit peu ce que les défis nous réservent. Les a fait. Mais c'est voilà, en mer ouverte. Ok, il n'y a pas, c'est vraiment chapitre si je mets cette sail. Faut vraiment le prendre en main. Faut vraiment le prendre en main, il n'est pas forcément évident. Là, vous voyez, on doit dès le début reconstruire. Quelque chose. Vous voyez que ça va me permettre de me déplacer, ça, tout ce qui est plus simple. On a vraiment fait ce qu'il y avait de plus simple là. Allez, c'est incontrôlable. Il y a moyen de couler, hein, comme vous le voyez. Enfin, comme ça, vous avez eu un petit aperçu du jeu. Voilà, cette découverte-ci plus la suivante, c'est assez court, mais voilà. Le jeu, franchement, à prendre en main doit être nickel. Maintenant, on verra la suite. Sur ce, je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. Et je vais vous dire à la prochaine. Bisous, bisous, au revoir.